Et puis le Seigneur a opéré le miracle. C'est moi chaque fois qui demandais de manger, manger. Et je suis allé chez elle au village. Tout le monde, ceux qui regardent bien mes vidéos, connaissent l'histoire. Le vieux groupe de Célestin. Zouzoir. Qui prie Zouzoir d'Issia. Et je suis allé prendre son papa. Et son père, il a nié sa sorcellerie. Donc j'ai parlé, j'ai fait une action prophétique dans la cour en versant lui. Et je lui ai donné 2 mois. Il allait venir confesser. Donc il a nié. Dès qu'il atteint les 2 mois net, il est venu fou. C'est ici qu'il a confessé. Il a confessé, on a ramené la fille, elle est venue de Paris. Vous avez vu ça sur la vidéo? Voilà, vous avez vu ça sur la vidéo. La fille est venue de Paris et puis c'était vraiment émouvant. Le papa fait encore des aveux, il a parlé. Et elle, et son papa, oui, oui, totalement délivrée, elle ne voulait pas même pas accepter. Je l'ai amené, jusqu'à son papa, chez son papa a commencé. Et pour dire à son père, nous ne sommes pas contre lui, mais contre l'esprit. Et j'ai demandé à sa fille de continuer de soutenir son père. Voilà. Donc, ici, nous avons vu toutes sortes de miracles. Reprends-moi le témoignage, parce que là, la vidéo, mon téléphone est déjà plat. Pour celle qui s'est mariée ou bien... Non, pour les papiers, là. C'est ma tante. D'accord. Donc, elle a fait la demande de la carte de séjour. Moi-même, j'ai rempli les documents, quoi. Et puis, ça a mis du temps, énormément du temps. Et tous les jours, elle dit, ah, Théodore, pourquoi la préfecture ne m'appelle pas? Je dis, de toute façon, ils vont t'appeler, quelque chose, ils vont t'appeler. Et dans la semaine entre le 5 et le 12 décembre, je viens du boulot, il me dit, ah, Théodore, j'ai appelé le pasteur à Divo. Il m'a dit, je vais recevoir une convocation de la préfecture. Par contre, il faut que je prévois au moins si nous sommes importantes. Je dis, ah, de toute façon, si c'est l'argent, on verra ça. Mais pas 2 jours, elle reçoit un message sur son portable. La préfecture lui demande de se présenter à la préfecture, plus 500 € pour retirer la carte de séjour. 500 € ça fait 330 000 CFA. Donc effectivement. Amen. Ok, donc que Dieu bénisse. Voilà, c'est dit que Jésus est vivant. Quand vous prenez la parole de Dieu dans Jacques le chapitre 4, 5, le verset 14. Je vous fais la lecture pour comprendre que c'est vraiment important, s'il vous plaît. C'est important ce que nous sommes en train de faire. Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 14. Je vous informe que demain, c'est la grande délivrance à partir de 16h. Amen. Amen. Voilà, demain, nous allons parler sérieusement aux esprits. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'action prophétique avec de l'huile. Nous prenons Jacques. Jacques, le chapitre 5. Non, personne n'a Bible. Hein? Vous avez bien compris, son sorcier dit quand il marche, là, il s'en va cabri. Ils ont envie de te manger. La sorcellerie, c'est terrible, hein? Comment tu peux voir un homme en dette, t'as envie de le manger? C'est quoi ça? C'est comme ça. Quand vous voyez quelqu'un, vous voulez le manger. Ah, tu comprends le français? Comment tu comprends le français? Tu es né où? Arrière où? Tu parles un peu du vote. Il faut demander, donc, quand elle voit les gens envie de manger. J'ai envie de manger. Non, il y a poulet qu'on élève là, ça vous dit rien. C'est-à-dire que la chair vient des puits, la chair du cou des poulets, là, c'est pas la même chose. Pour l'homme, là, c'est doux. Pour l'homme, là, c'est doux. Non, pour l'homme, la chair humaine qui est plus doux que. Ok. Elle dit qu'elle ne veut plus à manger. Donc vous allez la délivrer pour qu'elle ne mange plus. Ok, Jacques, le chapitre 15, à partir du verset 14. Je fais la lecture. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église
et que les anciens de l'église prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il sera pardonné. Donc Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, c'est-à-dire le responsable de l'église, pour l'onction d'huile. Vous savez, quand l'huile touche votre tête, ça va directement détruire toutes sortes de présences sataniques. Or, l'huile, dans l'Ancien Testament, c'était le symbole de l'esprit. Et en même temps, ce qu'on appelle l'aura. C'est-à-dire que, de toute façon, ils ont noirci ton corps, ton âme est noircie. Parce que c'est ça. L'étoile, c'est ce que les gens arrivent à noircir. Or, quand l'huile te touche, immédiatement, c'est, pour ceux qui comprennent, qui savent un peu, l'ordinateur, l'outil informatique, c'est actualise ta vie. C'est-à-dire, eux, les sorciers viennent mettre ta vie au point zéro. Donc, ça, vous voyez que c'est comme l'aiguille. L'aiguille, l'horloge. Comme il n'y a pas de monde dedans, ça ne bouge pas. C'est au point zéro. Après que toi-même, tu as l'impression que tu tournes en rond. Donc, quand l'huile touche, c'est pour ça qu'ici, nous avons ce qu'on appelle trois séances. Et la première séance, la deuxième séance, la troisième séance. Demain, j'aurai l'occasion, pendant nos séances de prière, l'occasion d'expliquer les trois les étapes de la consécration. La première, la deuxième, la troisième. Et quand c'est fait, tu deviens un homme, ce qu'on appelle un homme consacré à Dieu. C'est-à-dire que tu es dédié à Dieu. Or, une personne qui est consacrée à Dieu, on ne peut rien contre cette personne. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Alors, quand vous partez dans le Nouveau Testament, dans Marc, le chapitre 6, le verset 13, au temps de Jésus, les disciples ont utilisé de l'huile. Marc 6, à partir du verset 13. J'ai fait la lecture. C'est pour ça qu'ici, là, c'est important. Dès que vous mettez vos pieds ici, la première action qu'on doit faire, il faut forcément que l'huile verse sur votre tête. Que vous voulez ou pas, c'est important. Et regardez ici, je prends ici Marc 6, à partir du verset 13. Il y chassait beaucoup de démons et il oignait beaucoup de malades d'huile. Il oignait d'huile beaucoup de malades plutôt et les guérissait. Au temps de Jésus, les gens utilisaient. Vous savez, les problèmes de sorcellerie, là. Tant qu'il n'y a pas l'onction d'huile, cette présence, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que le prophète, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'action. Quelle est l'action qu'il a posée sur ta vie? Qu'est-ce qui a été fait sur ta vie pour ne pas que les sorciers accèdent à ta vie? C'est ça le point d'interrogation. Si le sorcier accède à ta vie, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui l'effraie. C'est pour ça que quand Dieu voulait visiter le peuple égyptien et le peuple hébreu en Égypte, quand l'ange de la mort devait frapper les premiers-nés, Dieu a demandé qu'on prenne un agneau, chaque famille, qu'on le sang pour mettre sur les linteaux des portes. Tous ceux qui avaient cette marque-là n'avaient pas la visite de l'ange de la mort. Quelle est l'action qui a été posée sur ta vie? Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Il faut que Dieu nous délivre. Amen. Quand l'huile va commencer à toucher votre vie, ça va actualiser la vie. Ça va commencer à mettre. Ça va, vos vies vont reprendre. C'est au point, parce que les sorciers ont la capacité de mettre ta vie au point zéro. Et tu ne comprends plus rien. Quand tu étais là à l'école, tu devais travailler zéro. Comment tu devais travailler point zéro? Tu te comme tu es tenté de recommencer une vie. Et quand tu te mets dans une forme de prison, tu comptes être esclave, et tu tournes en rond. Amen. Amen. Dieu va nous délivrer de tout ça. Amen. Nous ouvrons la bouteille. À parer. Amen. Amen. Non, lui, laisse-le d'abord. Il ne va pas toucher lui d'abord. Tu l'aimes bien? Mets-le à côté. Madame, attendez à lui d'abord. Moi, je vais vous. Vous commencez à parler. Commencez à ordonner que les esprits abandonnent ta vie. Vous commencez à parler. Demandez au Seigneur de te délivrer. Prions le Seigneur.
Commencez à verser tout le contenu de l'huile. Allez, l'huile là, tout ce qui est dans la bouteille, versez-la sur votre tête. Tout. Faut pas avoir peur, mais voilà, versez pas la tête, voilà, tout. Et pendant que vous versez, nettoyez le visage avec. Le visage. Non, comme ça, nettoyez comme si vous t'en nettoyez le visage. Voilà, nettoyez le visage. Versez tout. Tout le contenu. Toucher la tête, c'est poser la bouteille au milieu, juste à côté, parce que vous allez utiliser ça tout à l'heure. Mettez les deux mains sur la tête. Mettez les deux mains sur la tête. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Je te commande maintenant. Viens et visite ces personnes. Je commande aux esprits qui avaient maître autorité sur ta vie et sur ton corps de te lâcher maintenant. Je commande aux esprits de lâcher ton corps maintenant. Je maudis la prison de la maladie dans ton corps. Et je commande aux esprits de te lâcher. Je commande aux esprits de lâcher ton corps maintenant même, au nom de Jésus. Feu. Allez. Lâchez-le. Au nom de Jésus. Comment? Les esprits vous abandonnent maintenant. Vous lâchez sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Là où tu as été, le Saint-Esprit te visite maintenant. La puissance de Dieu te visite. La main forte du Saint-Esprit te visite. Et la maladie disparaît de ton corps maintenant. La maladie disparaît maintenant. Je commande à la maladie de partir maintenant. Je commande aux esprits de lâcher totalement vos vies. Au nom de Jésus. Commande. Commande. Là où tu as arrêté, le Saint-Esprit te visite et la main de Dieu te délivre maintenant même. Elle te délivre la main de Dieu. 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 Commande. Allez. Thank you.
la puissance de Jésus te visite maintenant. La présence de Dieu vous visite. Elle vous visite maintenant. La main de Dieu te visite. Elle te visite maintenant. La puissance de Jésus te visite maintenant. Come on! Come on! Jésus vous guérit maintenant. Jésus vous délivre maintenant même. Sa puissance vous libère. Come on! Allez! Allez! Come on! Jésus vous touche. 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 Lâchez. 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 Lâche-la, lâche-la, feu, 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 feu. Lâche-la, 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 comment? Feu, allez, lâche-la, lâche-la, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. 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 C'est mon papa qui m'a soufflé, oh, c'est mon
papa qui m'a souffri. Eh, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh 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 oh, oh Seigneur, eh Seigneur, ha 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 ha, eh Dieu est grand, eh Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, eh ma grand sœur, eh ma grand sœur, ma grand sœur, ma grand sœur, ma grand sœur. Ma grâce qui s'en est vraie, qui s'en est vraie. Ma grâce qui s'en est vraie, qui s'en est vraie. Comment? 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 Allez! 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 Comment? La puissance de Dieu. Comment? 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 La puissance de Dieu vous visite maintenant. Vous visite maintenant. Sa présence vous touche maintenant. Reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Dieu est en train de te délivrer. Ta présence est en train de te guérir. Ta présence te guérit. Reçois ta délivrance maintenant. Jésus te délivre. Jésus.
Mon papa, sa puissance. Sa puissance. Puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Lâchez-la. Allez! Commande! Commande! Oui! Allez! Commande! 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 Oui! Commande! Au nom de Jésus! Allez! Vous libérez son âme! Allez! Allez! Commande! Commande! Allez! Allez! Commande! Vous lâchez sa vie maintenant, oh, même. Ouais. La puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Comment? Allez! Allez! Lâchez-la! Lâchez-la! Allez! Lâchez-la! Oui, lâchez-la! Feu! Ouais. Feu! 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 Le feu! Feu! Oui, libérez-la! 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 Oui! Oh. Qui es-tu? Oh. Quel est ton nom? Oh. Quel est ton nom? Oui, toi, quel est ton nom? Oui, toi! Oui, quel est ton nom? Libère mon nom! Libère ma vie! Quel est ton nom? Oui, toi, quel est ton nom? Libère ma vie! Aïe, aïe, aïe. Oui, quel est ton nom? Maintiens Dieu dans ta vie, toi. Oui. Wow. Quel est ton nom? Wow. Quel est ton nom? Oui, quel est ton nom? Toi. Toi qui as rendu cette dame esclave. Qui l'a rendu esclave. Qui l'a rendu esclave. Oui. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Oui. Mais m'a eu. Elle t'a eu. Elle t'a eu, c'est ce que tu as dit. Elle t'a eu, c'est ce que tu as dit. Non. Qu'est-ce que tu as gâché dans mais ta vie? Mais ton Dieu est fort. Qu'est-ce que tu as gâché? Qu'est-ce que tu as détruit dans ta vie? Qu'est-ce que tu as détruit? Qu'est-ce que tu as gâché dans cette vie? Oui. Qu'est-ce que tu as gâché? Gâté son mariage. Tu as gâté son mariage. Gâté son ventre. Tu as gâté son ventre. Tu as mis des problèmes dans sa tête. Oui. Wow. Et pourquoi? Wow. Et pourquoi? Wow. Et pourquoi? Wow. Et pourquoi? Wow. Pourquoi? Wow. Pourquoi? Wow. Pourquoi t'as gâté son ventre? Wow. Pourquoi? Wow. Et pourquoi? Wow. Et pourquoi? Parce qu'elle est chanceuse. Elle est chanceuse. Parce où elle place la lumière de Dieu. Tu es. Mm-hmm. Je veux pas. Tu veux pas? Oh. Quel est ton nom? Wow. Toi. Ton nom. Ton nom. Ton nom. Ton nom.
Toi qui as gâché sa vie. Ton nom. Tu vas la libérer maintenant. Tu m'entends? Tu vas la libérer. Oui, feu. Le 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 feu. 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 Allez. Allez. Lâche-la. C'est quoi ça, potable? C'est une dame là. Lâche sa vie. 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 Donne-nous. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche-la. C'est sur radio. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Il va partir. Il va partir. Il est là. Ce corps ne t'appartient plus. Il va libérer ce corps au nom de Jésus. Tu m'entends? Lâche-la. Tu m'entends? Lâche-la. Tu m'entends? Lâche-la. Asseyez-vous un instant, vous qui êtes assis. Asseyez-vous un instant. Après, vous allez aller casser les bouteilles. Jésus. Jésus. Jésus te délivre. Allez, famille! Tout ce qu'ils ont mis dans ton ventre. Comi. Oh, bara, chaka, baba, 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 baba. Tu n'as pas mis au nom de Jésus. Jésus guérit ton ventre malade. Jésus guérit ton ventre malade. Jésus guérit ton ventre malade. Au nom de Jésus. Tu me vomis au nom de Jésus. Allez. 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 Oui, allez. 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 Tu me vomis tout ça. Maintenant. Maintenant même. Oui, tu me rends. Oui. Tu me rends tout ça. Maintenant même. Maintenant même. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu, 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 le feu. Allez! 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 Venez! Vous me vomissez maintenant. Tout ça dans votre corps sort et libère ton ventre au nom de Jésus. 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 Oui. Libérez-la. Libérez-la. Oui. Oui. Je sens que tu as attaché ton cou, attaché. Jésus, libère ton cou. Jésus. 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 Oui, Jésus. 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 Oui. Feu. Feu. Je libère ton cou, je libère ton sang, 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 je libère ton cou, je libère tout ton sang, toute ta chair, ton ventre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Jésus te libère. Elle te libère la puissance de Jésus. Elle te libère la puissance de Jésus. Elle te libère la puissance de Dieu. Allez! Quittez son ventre.
Lâchez son ventre. Vous m'entendez? Lâchez son ventre. Le feu. Le feu dans tout son corps. Le feu dans tout ton corps. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Vous m'entendez? Lâchez-la. Lâchez-la. Il y a faire quoi? Oh, il y a faire quoi? Il y a faire quoi? Oh, il y a faire quoi? Je libère la puissance de Dieu te guérit. Elle te guérit maintenant, frère. Les esprits abandonnent ta vie. Les esprits te lâchent maintenant. Les esprits te lâchent maintenant. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez-la. 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 Vous êtes là, manifestez-vous, quittez ce corps dans le nom de Jésus. Manifestez-vous et partez maintenant. C'est un ordre. Vous libérez ce corps au nom de Jésus. Allez. Allez-y. Oui, allez. Comme! 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 Allez! Bam! Allez! Feu! Bam! Vous la libérez maintenant, c'est un ordre. Le feu! Le feu! Le feu! Allez! Allez! Feu! Feu! Allez! Je te libère! Femme! Je te libère! Je te libère! Oui, le feu. Lâchez sa vie. Lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Et toi en rouge, oui. En rose. Oui. Lâche-la. Lâche-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus te libère. La puissance de Jésus te libère. La puissance de Jésus. Libérez-la. Au nom de Jésus, je proclame ta délivrance maintenant. Je proclame ta délivrance maintenant. Allez, lâchez-moi ce corps. Oui, lâchez-la. Lâchez-la. Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Feu! Allez! Feu! Feu!
La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Oui, la puissance de Dieu. Oui, la puissance de Jésus. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Jésus. Oui, la puissance de Dieu. 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 La puissance de Dieu te délivre maintenant. Elle te libère maintenant. Elle te libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant même ta délivrance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Viens, viens, viens. Viens, toi qu'en robe là. Et puis lui qu'en débardeur. Venez. Jésus te délivre, femme. Oui, venez. Non, lui. Jésus te délivre. Non, c'est qu'en robe, j'ai dit. C'est où tu n'arrives pas là. Hein? Viens ici, viens. Tu n'arrives pas à quoi ça? C'est où ça? Ça fait comment? 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 Faut parler, monsieur. Je comprends bien comment ça. Il dit c'est vrai. Oui, la chair humaine. Oui. Come on! Allez! Allez! Ton âme maintenant même. Allez. Vous libérez sa vie. Vous libérez ses reins. Vous libérez ses reins. Maintenant même. Oui. Comment? Allez. La puissance de Jésus. Guéris. Thank you.
Allez. Allez. La puissance de Jésus te délivre maintenant. La puissance de Dieu. Libère ton âme. La puissance de Dieu. Libère ton âme. Elle libère ton âme. Elle libère ton âme. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Libère ton âme. Jésus te délivre. Jésus te délivre. La puissance de Jésus. Tout le monde ici. Tout le monde ici. Tout le monde. Venez ici. Venez, venez avec vos bouteilles. Venez. Venez, venez avec vos bouteilles. Vous venez d'arriver? Vous venez d'où? Venez. Vous croyez à votre délire?